Allez, première multi. Let's go. Allez. Let's go. S'il te plaît, le jeu. Bah, accueille-moi bien. Accueille-moi comme il faut. Un chargement, quand tu commences, c'est toujours bon. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Aujourd'hui, on va pas être sur CNCA. Vous l'avez vu au titre. Vous m'avez eu, bande de foirés. Vous m'avez eu. Je regardais tout le temps DB les gens. Je voyais tout le monde y jouer. Je voyais, j'ai test, etc. Donc maintenant j'y suis, on est sur DB Legends aujourd'hui, et oui monsieur, tu t'y attendais pas, moi non plus. Aujourd'hui on est sur DB Legends les gars, et pourquoi nous sur DB Legends? Parce que je pense m'investir sur le jeu, à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui est un grand jour, j'ai récupéré un compte, et je pense qu'on va commencer une grande aventure tous ensemble. Alors pourquoi DB Legends vous allez me dire d'ailleurs? Ouais, tout simplement parce que je retrouve un peu la même ambiance qu'il y avait autour de Dokkan à l'époque, surtout là avec les 2 ans. J'ai vu que ça faisait un peu le même effet qu'à l'époque quand il y avait les CJ4, etc. Niveau communautaire, c'est vraiment incroyable. Il y a tous les frérots qui y jouent, que ça soit sur YouTube, sur Twitter, etc. Donc je vous avoue que ça me donne envie de jouer, même si je continuais à regarder les vidéos, j'en parlais pas, hein, je jouais pas au jeu, mais je regardais les vidéos de temps en temps sur DB Legends, etc. Franchement, les animations, elles sont incroyables. Et tout ce qui est les invocations, ça me rappelle un peu l'époque d'Okan, quand c'était au top du top. Donc bah écoutez, là on est sur mon compte, et je vais vous expliquer tout simplement bah, le but des vidéos que je vais produire pour le moment sur DB Legends. Alors là j'ai pris un reroll, il y a des frérots qui m'ont dit ouais si tu veux je te passe mon compte ou je sais pas quoi. J'ai dit moi pour moi ça sert à rien. Justement le but là des vidéos que je vais sortir, de la série de vidéos, ça va être tout simplement de suivre ma progression. Là je suis un noob, hein, je joue depuis 4 jours, voilà. Justement ça va être de suivre ma progression, vous allez suivre surtout mon compte avec moi. Donc je vais être free to play sur le jeu, hein. Je vais vraiment récupérer les cristaux, je vais farmer correctement. Mais je vais pas non plus passer 150 heures sur le jeu. Sachant que j'ai toujours Sensei à côté, vous inquiétez pas. Les gens qui me suivent pour Sensei, je jouerai aux deux jeux. Et d'ailleurs à ce propos là, justement, si jamais vous n'avez pas commencé DB Legends, bah c'est l'occasion de commencer avec moi, n'hésitez pas, ça ferait plaisir d'un peu suivre votre évolution en même temps que moi. Donc j'ai pris un reroll, un très bon reroll ma foi. Donc comme vous le voyez ici, hop, on va aller dans la liste des persos. J'ai déjà Vegito Blue. Donc déjà je suis bien à ce niveau-là. Après j'ai une team future qui est plutôt pas dégueu. Avec le Trunks et le Zamasu, là va falloir que je le farme celui-ci. Ça va me prendre 150 ans. Mais on va essayer de le faire. On va se donner les moyens. Et puis derrière, attends, j'ai d'autres trucs sympas. Attends, on va trier par. Hop. Ah moi je vais galérer, je vous le dis direct sur le jeu. Je vais galérer tout de suite. Donc au niveau des teams, je vais avoir tout simplement la team, une petite team future. Et je vais avoir un début de... Hop, allez, où, attends, la deuxième. Hop, j'ai la team GT. J'ai la team GT aussi, donc c'est deux très bonnes teams pour commencer. Je vais pas avoir de soucis là-dessus, j'ai pris un truc qui était assez costaud. Donc pour l'instant, comme vous voyez, je suis au rang 27 et j'ai des cristaux. Donc on va faire des invocations d'ailleurs en fin de vidéo. Et justement, en fait, ce qui manquait à ma team future là, c'est un petit rosé, ça serait cool de l'avoir. Et ouais, bah donc, le but de ces vidéos, ça va être tout simplement de suivre mon évolution. Voilà, il y a Fizz qui m'a un peu taunt sur Twitter il y a pas longtemps. Je me suis pris au jeu, je me suis dit, allez, j'ai recommencé un compte. Sur des Legends, j'ai déjà joué un peu à l'époque, etc. J'ai commencé des comptes, j'ai jamais continué très longtemps. Mais là, le but, les gars, le but, ça va être tout simplement d'arracher une victoire à Fizz Sadri. Avant, bon, ça va pas prendre 1 mois, 2 mois, mais vous inquiétez pas, on l'aura un jour, que ça soit en random rush, en n'importe quoi. On aura cette victoire et là je pourrais le taunt à fond si j'arrive à le battre sur le jeu. Ou bon, c'est un peu son jeu, tu vois, c'est un peu son jeu, donc ça ferait plaisir. Et ça va être le but de ce compte là. Donc, dans un premier temps, on va suivre mon évolution tout simplement là-dessus. Comme vous voyez, c'est un compte tout frais, tout beau. Au niveau de mode histoire, j'ai un peu farm histoire de pouvoir tout simplement invoquer avec vous juste ici. Et bah écoutez, je pense qu'on va commencer à partir sur les tirages. D'ailleurs, j'ai Domores ou Domofès comme on l'appelle avec moi en vocal. Comment tu vas, mon frérot? Ça va très bien, Moustache. Je sais pas comment ça va toi, voilà. Oh, moi ça va. Regarde, j'ai le sourire là. J'ai le sourire, ça va très très bien. J'ai passé presque tous mes partiels et mes oraux, ça va. On va bien, les gars. D'ailleurs, c'est pour cette raison aussi que je me dis que c'est la bonne occasion pour commencer un compte. Parce que là, j'ai encore un partiel à passer. Après, je vais être tranquille pour 2 mois, même si j'aurai le taf. Ça va le faire. Donc, bah, écoute, on va faire la petite multi gratuite tous les jours. On va commencer tranquillement. Et puis après, on glissera sur le portail comme il faut. Alors, ouais, comme je vous l'ai dit,
Alors là, j'ai dès toutes les données, donc le chargement, normalement, ça se fait. Comme je vous l'ai dit, je retrouve un peu la même ambiance qu'il y avait à l'époque. 5 capsules ou 6, ils se transforment pas. Bon, moi, au niveau de la chance, pour le moment, sur les invoques, j'ai eu que dalle. Alors, vous allez dire, ouais, vu ton compte. Ah, relâcher rouge. Vu ton compte pour le départ, c'est déjà un truc de ouf. Mais depuis que j'ai eu le reroll, on va dire, j'ai rien eu dans les invoques. Donc là, ça va être l'occasion de voir un peu. Et ouais, c'est stylé, je trouve ça stylé. Parce que tous les gens qui à l'époque me suivaient pour Dokkan Battle, j'ai vu qu'aujourd'hui ils sont passés sur Legends. Donc c'est vrai que ça fait plaisir aussi de pouvoir faire un peu comme à l'époque et parler avec tout le monde d'un jeu, d'avoir une petite commu tout autour de ça. Bon, la multi est incroyable. Hein, T'es bien parti là, t'es bien. Ah là, je suis bien là. Là, je bon, suis fini, hein. Au top. Là, je suis là. Là, c'est. C'est le soleil, juste au-dessus, c'est le soleil. Non, j'en profite pour te dire un truc. Tu sais, c'est ton objectif, c'est de battre Fitzadri. Je tenais à te dire qu'un grand homme a dit une fois que battre Fitzadri, c'était à la portée de tout le monde. Ouais, non, mais t'inquiète pas, ça va se faire. Ça va se faire. T'inquiète ça... pas, dans deux mois. Ça prend du temps, mais ça va se faire, t'inquiète pas. Ça, on va lui arracher une victoire. On fera ce qu'on veut, on va peut-être aller à Aulnay en bas de son bat. On va le séquestrer, mais t'inquiète, ça va le faire. On trouvera un moyen de le battre. Bon, on va faire la petite. Alors, est-ce qu'on va avoir un sparking, hein? Hier, pas de sparking d'ailleurs. D'ailleurs, mon rôle à moi, c'était de dire si les sparkings sont bons ou pas. Donc, bonne chance. Ouais, bah attends, déjà un sparking avant de commencer. Hier, j'en ai pas eu non plus. Aujourd'hui, je vais pas en avoir, tu vas voir. C'est incroyable, frère. Oh là là, allez, relâche rouge. C'est bien parti là. Est-ce un sparking? Allez, ça pue. Non, là, ça pue. Là, ça pue. Là, ouais. C'est vraiment c'est bon. Yes, Videl. Bon, bah, deux jours de suite sans sparking, hein. C'est pas grave. On va avoir. Bah, de toute façon, le truc sur lequel on compte le plus, ça va être celui-ci, là. Ça va être il a combien de pourcents, là, le petit. Alors, attends. Hop, il a combien de pourcents, le petit rosé, là? 1%. 1%. Bon. C'est bien, va, hein. C'est un bon taux. Allez, première multi. Let's go. Allez. Let's go. S'il te plaît, le jeu. Bah, accueille-moi bien. Accueille-moi comme il faut. Un rechargement quand tu commences, c'est toujours bon. Alors, Golden et Vegeta et Goku Blue, c'est deux sparkings. Jure. Et le Nimbus, c'est portail garanti. Ouh là là, il y a moyen d'avoir du très très lourd. Là, du très très lourd. Il y a moyen d'avoir du très très lourd. Attends. Pas de Broly. Ah, c'est dommage. Il y avait encore Broly qui pouvait arriver derrière. Ouais, et là c'était LF. Ah ouais. Ouais. Ok. Tu me dis au niveau même des extrêmes, si ouais, y en a des bons. Du tout. Oh, tu doubles Zamasu. Ça fait plaisir ça. D'ailleurs, le Zamasu extrême que tu viens d'avoir, il est excellent aussi. Ok, d'accord. Un petit doublon. Du coup, il y en a un deuxième là, si je comprends bien. Ouais, là, il y en a un deuxième. Ah, Videl. Videl, aujourd'hui, a même bien. Est-ce que tu peux en être énervé? Attends. Il est très bon, mais tu l'as déjà, c'est dommage. Ok, d'accord, ok. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, écoute, un doublon du. Pas mal, franchement. Première multi. Enfin, première. Ouais, première multi, ouais, on va pas compter l'autre parce qu'on s'en fout. Première multi, un petit doublon de Gatai. Bon, après, Gatai, de ce que j'ai vu pour le moment, c'est pas le perso qui souffle le plus du manque d'étoiles. Apparemment. C'est bien. En fait, c'est excellent d'avoir un 6 étoiles pour la Cap Z, pas pour les étoiles, les stats. Mais vraiment, un 6 étoiles, c'est monstrueux. C'est dingue. Hop, le petit Trunks aussi. Ok, d'accord. Ok, bah vas-y, écoute. Allez, la multi, puis après, on aura la gratuite. Ikuzo. Allez, lâche-moi un petit truc sympa là encore. Encore un chargement loin, c'est un bon signe ça. Kito, Animus, portail. Ciel rouge, portail. Pas de transformation. Tu peux avoir Broly hein. Ah mais gros, je suis en train de me faire déglinguer là. Ah mais, c'est t'inquiète, c'est bien. Bah Sparking. Doré. C'est Sparking. Doré c'est Sparking. Oui. Normalement tu perds. Ah d'accord, ok d'accord, le Vegeta qui arrive. Ok, ça marche.
Voilà, c'est juste parking garanti du coup. Enfin, il y a le keytone, il y a le détecteur aussi, non? Ouais, c'est ça. Mais ça peut être extrême. Bon. Il vaut quoi lui? Il est excellent, t'as de la chance, il est excellent. Il est bon? Ouais, mais il y a 2 étoiles, c'est pas fou. D'accord, Oh! Nice! Nice! C'est bon ça! Nice! Oh, nice! Oh, bordel, je l'ai eu, putain! Oh, j'y croyais grave pas! Oh là là! Oh, oh, ce compte il part sur les chapeaux de roue là! Ah, juste plus avant Vegeta le doublon du Gatai, là, le petit Vegeta qui pop plus le rosé. Oulala, ça va, ça va, le jeu il m'accueille bien là. Le jeu m'accueille. Tu te mets bien là. Oh là là, incroyable, putain. En plus, j'ai encore la, la multi gratuite derrière, ça me donne un truc. Oulala, là, 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 ça va être incroyable. Y'a moyen d'avoir des LF sur ce portail ou pas? Ouais, bah tu peux avoir Vegeta LF, Vegeta O. Il est bon, il est bon. Ouais. 3 Spark. Attends, j'ai eu 3 Sparky ou j'en ai eu 3? Ouais, 3 Sparky, ouais. J'en ai eu 3, putain. Oh. Et de nouveau. Et enfin, t'as eu que des bons Sparkings. Hein. Là, c'est extrêmement bonne multi. Oh là là là. Oh, c'est énervé. Oh là là, j'ai le rosé que je voulais avoir. Nice. Ah, alors, franchement, rosé. Et là, par contre, 2 étoiles ou 59 étoiles, il est toujours monstrueux. Hein. T'inquiète pas. Oh là là. Là, là je peux pas qu'il y ait des cristaux maintenant. Là, je peux pas qu'il y ait des cristaux là. Où je vais chercher. Toi, tu vas me dire, va chercher Vegeta LF, espèce de. Va chercher le ticket, va chercher le ticket, au moins. Le ticket? Attends, va être... Attends, on a déjà le. On a déjà le. La multi gratuite. À tout moment, hein. Il tombe là. Est-ce que c'est long le chargement ou pas? Ah, ça a l'air pas. Ah, c'est... ah non, non. Ah non. Ah, ah ouais, bon, hein. Non. Non. Allez, hein. Non, il m'a dit non. J'ai dit ah, ah, il m'a dit non. Attends, c'est ah jamais. Ouais, non, c'est. Oh la pire. Ah, y'a moyen peut-être. Oh. Ah, attends, attends. Attends, je gagne. Est-ce que je gagne? Ah non. Attends, peut-être Whis. Hein. Ouais, bah oui. Peut-être Whis. Ouais, bah. Ah, pas deux. Oh, Whis, bon, il bah... est caché. Whis, il est là. Oui, Whis, il était caché là. Whis, il était caché. Franchement, les animations elles sont incroyables. C'est ça qui m'a fait kiffer aussi quand je regardais. C'est au niveau des animations, je trouve ça ouf. Genre, l'animation justement où il y a Vegeto, elle est incroyable. C'est où il y a Broly. Elle est extraordinaire. Enfin, c'est une animation quoi. C'est un vrai épisode de. Ouais, de ouf, ouais, je te jure. C'est un. Oh, franchement, t'as une. Il est excellent. Lui. Ah ouais? Ouais, franchement, il est excellentissime. Nice, ça, ça c'est parfait ça. En plus, t'as eu le Vegeta bleu juste avant. Du coup, t'as une bonne une team famille Vegeta. Écoute, bah cette vidéo invoque ma foi, elle était pas mal du tout. Il nous... Attends, il nous reste quoi là? Le ticket nous reste combien pour le faire? Attends. Le ticket nous reste combien pour faire le. Il nous reste combien? J'ai 2 tickets là. Et tu m'as dit, allez. Celle-là, ça, ça donne 2 ça. Ouais, à 700. Celle-là, 700 elle donne. Du deux. Coup, là, je vais devoir en gros farmer encore 1000 pour faire celle-là plus la 1000 derrière. Et là, ouais. J'ai mes 5 tickets, c'est ça? C'est ça. Ok, bah écoute, on fera ça. On va farm, on fera tout en même temps. Bah les frérots, écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié la vidéo ou pas, si vous êtes chaud pour le petit défi, suivre mon évolution, pardon, etc. D'ailleurs, cherche un titre, n'hésitez pas à me dire les titres là. Moi j'ai pensé à Zero to Hero, parce que moi t'as vu, je suis un héros. Alors là-bas, je suis un zéro, mais t'as vu, je vais devenir un héros, t'inquiète, on connaît. Bon, c'est quoi. Et vous me dites dans les commentaires les titres que vous avez, que l'idée de titre dont vous avez. Bon, vous avez, vas-y, j'arrive même plus à parler, frère. L'idée de titre, bref, pour la petite série qui va arriver. Et puis voilà, on continuera à avoir mon évolution. Je vais continuer à farmer tout ça. En tout cas, très satisfait de cette petite vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre petit pouce bleu. C'est pas déjà fait. Ciao, ciao, à la prochaine.